De la nouvelle série T4 Valtra. Aujourd'hui, avec François, on a pu essayer le nouveau T4, une transmission souple, une cabine très ergonomique, très bien dessinée. Donc c'est vrai que c'est des tracteurs qui vont plaire sur le marché. Que pensez-vous de sa maniabilité ? Ah ben, en rayon de braquage, on a fait la démonstration sur les petites routes, c'est formidable. Incomparable. Incomparable. Et le confort ? Visibilité. Visibilité, bah c'est vrai qu'on est haut, on est au centre de la cabine. Les fenêtres sont bien prévues. Il me semble qu'il y a un peu plus de 6 mètres carrés de vitrage. Donc on a vu sur tout l'ensemble. Il n'y a pas beaucoup d'angles morts. Donc on est bien. Vous vous verriez propriétaire de ce tracteur? Oui, je me verrais propriétaire de ce tracteur. Merci, monsieur Béraud. Adrien Moulins, bonjour, qu'avez-vous pensé de la nouvelle série Valtra T4? C'est une série qui m'a relativement impressionné par son confort, par sa maniabilité et puis aussi un tracteur puissant mais assez compact. Les suspensions, quelles sont vos impressions au niveau du confort? Sur la route, rien à reprocher, un confort irréprochable. La cabine suspendue et pont avant suspendu. Merci monsieur Adrien Moulins. Monsieur Christian Page, bonjour. Qu'avez-vous pensé de la toute nouvelle série T4? Oh, formidable, extraordinaire. C'est le prochain tracteur. La variation continue, qu'en avez-vous pensé? Très bien, c'est super bien, c'est vrai, ça va souplesse. Bien. Ouais, souplesse, oui. Facile de prise en main? Impeccable, formidable. Confort, qu'en avez-vous pensé? Bien. Très bien. Très bien. Ça pourrait être votre prochain tracteur? Pourquoi pas? Everybody jump, come on! Quelles sont vos impressions après l'utilisation du Valtra T4 en démonstration? Alors, confortable déjà. Bon, je passe d'un N91 à un T4, donc ça m'a changé. Donc confortable au niveau de soit en mode pédale, soit en mode levier. Visibilité en cabine. Ça me paraît très maniable. Pour un 200 chevaux, ça me paraît très maniable. On se verrait bien avec ça chez nous, mais... Une prise en main, la prise en main a-t-elle été difficile? Non, pas du tout. Merci beaucoup. Bonjour monsieur, bonjour. Qu'avez-vous pensé du Valtra série T4? C'est des bons tracteurs,
souple, agréable à conduire, confortable. Qu'avez-vous pensé de la variation continue? La variation continue, c'est un confort de conduite, grande souplesse. C'est bien. Qu'avez-vous pensé de sa prise en main sur le T4? La prise en main de la variation continue? Oui. Facile. Prise en main très facile, très, très agréable. Et de son braquage? Braquage impressionnant, très court, et vraiment impressionnant. Chevillard, je suis content d'être parmi vous et je vous remercie de votre visite.